Le droit et même l'obligation de se transporter pour donner suite à cette procédure et donner suite à un courrier, un compte rendu de diagnostic de M. Damaro. C'était tout ça est articulé dans le courrier qui lui a été adressé ainsi qu'à ses conseils. Monsieur, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que dans le contentieux pénal enregistré RP 047/2022, RI 040/2022, pendant par devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières, et opposant d'un côté le ministère public, partie poursuivante, et l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire de l'État, partie civile, A. De l'autre, Amadou Damaro Camara, Michel Camano, Génal Camara et Junchei Cheng, poursuivis pour faire présumer de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, prise illégale d'intérêt, blanchiment de capitaux, corruption et complicité. La dite cause a été appelée à l'audience publique le 20 mars 2023. Et au regard de la non-comparution de M. Amadou Damaro Camara, contrairement à d'autres prévenus, renvoi a été concédé en vue de sa comparution pour la date du 6 avril 2023. Advenu cette date, au vu du compte rendu médical d'hospitalisation de M. Amadou Damaro Camara, daté du 4 mars 2023, suivant votre soit transmis numéro 58/MCC/2023 en date du 6 avril 2023. Après analyse minutieuse des dites pièces et en application de l'article 484 du Code de procédure pénale qui dispose, si le prévenu ne peut, à raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne par décision spéciale et motivée que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se trouve détenu par un magistrat commis à cet effet, accompagné d'un greffier. Il fixe dans la même décision la date de reprise de l'audience. Procès verbal est dressé de cet interrogatoire et mention
il est fait de l'avis donné au prévenu de la date ainsi fixée. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement. La Cour a rendu la décision libellée ainsi qu'il suit. Vu le compte rendu médical d'hospitalisation transmis par le registre de la Maison centrale de Conakry, numéro 58/MCC/2023, en date du 6 mars 2023, dit le juge que, par application des dispositions de l'article 484 du Code de procédure pénale, la Cour se transportera sur le lieu de détention actuel de M. Amadou Damaro Camara, si à la Maison centrale de Conakry, le mardi 25 avril 2023 à 10h00, à l'effet de l'entendre à l'audience publique contradictoirement et médiatisée. En exécution de cette mesure et pour une bonne administration de la justice, nous vous saurions gré de bien vouloir rendre disponible une salle et ou un lieu approprié pour l'audience prévue à cet effet. Monsieur Amadou Damaro Camara a envie de permettre à la Cour de se saisir de l'identifier, prendre connaissance physique de son état actuel de santé et le cas échéant l'entendre. Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, nous vous prions de bien vouloir rendre disponible le médecin traitant actuel du prévenu à l'effet de nous faciliter une meilleure compréhension de la description de son état pathologique tel que relevé dans le compte rendu médical surmentionné. En vous souhaitant bonne réception des présents, nous vous prions de croire, monsieur le régisseur, à l'assurance de notre franche collaboration. Ampliation 1, monsieur le procureur spécial, prêt la Cour de répression des infractions économiques et financières. 2. Monsieur Amadou Babaye Camara, avocat au barreau de Guinée et conseil de l'État guinéen, représenté par l'agent judiciaire de l'État. 3. Maître Santi Bakouyate, Mohamed Lamine Conté, Souadou Haribo, Abdoulaye Sidibé et Lancey Troua Doumbouya, avocat au barreau de Guinée et conseil de Monsieur Amadou Damaro Camara. 4. Docteur Alpha Kone, cardiologue et médecin traitant actuel de M. Amadou Damaro Camara, fait à notre cabinet le 6 avril 2023, le président de la Chambre des jugements, M. Francis Fobatoumanou. Nous avons reçu, donc par la suite, une correspondance du régisseur de cette maison centrale, donc la maison centrale de Conakry, lequel a tenu à apporter à notre connaissance. Alors, le contenu de ce courrier qui est le suivant. Le régisseur de la Maison centrale de Conakry, à monsieur le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, monsieur, suite à la correspondance numéro 018 relative à l'information, invitation à rendre disponible le prévenu Amadou Damaro Camara, et une salle appropriée pour l'audience du 25 avril 2023, 23 à 10h, à la Maison centrale de Conakry, à l'effet de l'entendre à l'audience publique contradictoire et médiatisée. J'ai l'honneur de venir très respectueusement vous rendre compte ce qui suit. Après notification de la tenue de l'audience par la CRIEF à la Maison centrale de Conakry, le prévenu Amadou Damaro Camara, écrou 829, mandat de dépôt du 27 avril 2022, déclare, citation, « Je ne peux pas tenir l'audience du 25 avril 2023 à 10h à la Maison centrale de Conakry, compte tenu de mon état de santé. » Fin de citation. Il a passé un bon moment dans un centre hospitalier. À ce jour, il devrait être prêt à se présenter devant votre cour. S'il ne l'a pas fait, c'est un mépris. Donc, je ne vais pas trop tarder là-dessus, Monsieur le Président. L'État guinéen, représenté par l'agent judiciaire de l'État par ma voix, s'en remet à votre sagesse.
La Cour constate le refus de comparution de M. Amadou Damaro Kamara. Renvoie l'affaire au 27 avril 2023, préalablement fixé comme date de reprise de cette audience pour la comparution du dit prévenu, ainsi que pour les motifs antérieurement évoqués. Telle est la mesure. Et le rôle étant épuisé, l'audience est levée. Tu prêtes, hein? Ouais.